Est-ce que c'est la sortie de Johnny Wilkinson? Voilà. Attention, les gars. On va vous laisser apprécier l'action du numéro 1 pour entrer de Tanner Mbaga. Tanner Mbaga pour Jérémy Saint-Zel. Il est en train de plus discrétion, Tanner Mbaga. Warburton a pris ses ballons. Sweeney. Bonjour, pied de Sweeney. Allez, avec le Maga. Maga, vous le tirez, il va sur l'extérieur. Van Niekerk. Van Niekerk qui va plus, qui prie là. Le ballon libéré. Avec Mignoni. Avec Tomé. Tomé pour Marianne Van en démontée. Avec maintenant la percussion là. De Ryan. Mignoni avec Ski qui s'est proposé. La porte était fermée. Il faut venir aider pour libérer ce ballon avec Sonny B. Williams. Williams pour Ryan. Ballon difficile en reculant. Tim Ryan qui insiste, qui vient en faire. On passe par le sol. Là, c'est un petit peu brouillon. Écoutez, Toulonnais, ça part dans tous les sens. Avec Bruno maintenant, Sébastien Bruno. Mignoni, mais. Et pénalité pour tout le monde. Ah, il reste un peu plus de 10 minutes. Pénalité. Philippe s'attendrait facile de prendre les 3 points. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper une touche. On va essayer d'aller marquer un essai. Et qui sait, sur la fin de partie, avec les 50 000 supporters du Stade de Rome. Il fallait qu'il marque très vite, un essai transformé. Et une belle touche à trouver par Tomé. Ensuite, ils auraient pu un essai et un transformé pour passer devant, pour casser devant la ligne. Voilà, c'est aussi ça le rugby. La semaine dernière, contre Montferrand, mais ils ont pris des points, ils ont su réagir. On souhaite. Ouh là là, il y a un Toulonnais qui est blessé là. C'est Marianne Val, je crois. On a vu sur ce ralenti. Mignoni. Quelle action! On doit être demain, c'est soit ça va, et on voit son début là, c'est encore de la qualité de passe. T'en as qui peut y aller, qui prend et qui donne. Alors on voit la qualité, on voit la qualité des joueurs de très haut niveau. On voit son début là, quel match de ce joueur. Et là, il y a remplaçant, petit Souris, petit Toulonnais qui marque. C'est lui, Thomas Souris, marque l'essai de l'espoir. Et transformation importante, elle vaut cher. Elle vaut cher. Parce que si la transforme, il revient dans 5 points, il est là. Si on peut avoir le temps exact, parce que le renvoi va coûter cher derrière. ...21-28, 7 points de retard. Tomé. Ça ne passe pas, on en reste à 28-21. Pour que tout l'enjeu de prolongation, il faut un essai transformé. Un peu du côté de Cardiff, Lola est sorti. Et Taffy Hewitt, numéro 23, qui s'en est fait. Quelle débauche de jeu dans cette fin de match. Et l'offrande de Tanner Mbaga pour l'essai de Thomas Souris. Et Aubin Hubert, et Philippe Saint-André. Voilà, c'est long. Ballon récupéré par Van Niekerk. Allez, dernière action, il reste 2 minutes à jouer, avec Tomé qui attaque la ligne. Ballon pour Mignoni, qui demande à ses avants de venir en prêt. On vient jouer avec Suta, qui subit. Tout près de la ligne d'envue des Toulonnais. Il y a un stade à traverser. La dernière minute de jeu, il n'y aura pas d'autre ballon. Hein.
mais intérieur pour Bruno, et ça c'est un ballon difficile hein, pour Sébastien Bruno. Unioni sur le fermé avec le haut ballon à vous, amené au sol par Warburton. Faut qu'il y en ait qui franchisse, qui retrouve un petit peu de vitesse et pas partir au large. Hein. Fernandez Lobé, on sent, peut-être là, Tim Ryan, Christophe rapidement, l'homme du match selon vous. Ah, je pense que c'est Ming Williams, ah, quoique Fernandez Lobé aussi, c'est difficile. Hein. Tellement ces joueurs ont tout donné. Allez, pour Umaga. Allez, Umaga qui croise avec Sonny Bill Williams. Lui, il peut peut-être traverser. Ballon pour Mignoni, sur le côté pour Lobé. Lobé avec May Colombo, la balle à vous. Ryan maintenant. Ryan en percussion sur la ligne des 10 mètres à l'intérieur du camp toulonnais. Mignoni, ballon rapide avec Umaga. Umaga, ballon toujours vivant. Mignoni avec Carlos Lobé. Ballon toujours toulonnais. L'arbitre, il faut qu'il sanctionne, hein, ils sont en jeu par terre. Non, c'est bas. Ballon pour Mignoni. Mignoni, Bruno avec May, Ryan. Ryan qui résiste à la charge de Xavier Roche. On reste dans le terrain. L'arbitre ne peut pas souffler la fin de la partie. Ils sont fatigués. Hein. Sans, c'est dommage. Tanaou Maga, lui, l'ouverture. Et la passe pour Suta, un contre un. Ils ont perdu le ballon et ils ont sans doute perdu le match de Toulonnais. Voilà, c'est fini. Retour des Jeux Olympiques en 2010, ce sera Cardiff. Toulon a beaucoup donné, Toulon a aimé, Toulon a donné 13-6 à la mi-temps. Un petit coup de mou au milieu de la mi-temps. Et finalement, Toulon qui tout perd, mais ça restera une belle saison pour l'ancien Toulon. Ouais, mais qu'est-ce qu'on est déçu pour les Toulonnais, qu'est-ce qu'on aurait aimé devant cette équipe soulever le titre cette année. On sait que Johnny, la blessure de Johnny Wilkinson a pesé dans la balance. Quand il se fait malade, dans sa petite équipe toulonnaise, affaiblie, son buteur, son leader de jeu, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on aurait aimé que Toulon, la sortie de sa langue, qu'est-ce qu'on aurait aimé. Un petit mot peut-être avec Philippe à la fin, Philippe, ça tournait pour les synthèses. Philippe, elle est cruelle cette fin de saison, même si vous avez fait une très très belle saison. Ouais, elle est cruelle, mais bon, on apprend le haut niveau. Aujourd'hui, on domine pendant 55 minutes, mais on se crée trois occasions, on n'en fait qu'une. On a une pénalité pour les mettre à 10 points, on ne la prend pas. Et après, Cardiff, à chaque fois qu'ils viennent chez nous, et ben, ils sont réalistes. Ils ont l'habitude des matchs de très haut niveau, mais bon, après, il faut voir quand même ce groupe. L'objectif cette année, c'était d'être dans les 6 premiers et de faire un quart de finale de conférence. On est demi-finaliste du championnat. On fait une finale de conférence européenne, on a des vertus exceptionnelles. Le seul truc, c'est que au haut niveau, quand tu domines, il faut tuer le match. On n'a pas su le faire les 50 premières minutes. Mais bon, je suis fier de mes joueurs et on va pouvoir construire par rapport à ça. Après le très haut niveau, ça pardonne pas. Quel état d'esprit, Philippe? On a vu Toulon encore une fois montrer en fin de match des vertus absolument exceptionnelles et temps de jeu de dingue. Ouais, mais bon, les mecs bossent, les mecs, il y a une âme dans cette équipe, c'est ce qui est important. Mais bon, après, quand tu domines comme on a dominé pendant 55 minutes, il faut savoir gagner les matchs. On a fait une belle série, 12 victoires d'affilée, mais bon, demi-finale et finale, on est passé à côté sur des petits détails. Et les petits détails font la différence entre gagner des compétitions et exister. Mais bon, en un an, je crois que... le président Mouad Boudjela et les supporters peuvent être fiers de cette équipe parce qu'ils m'ont quand même surpris parce qu'on a après la défaite en demi-finale, ça a été difficile et on s'est bien reconcentré. Après, il nous a manqué un petit peu de savoir marquer dans le temps fort. Merci Philippe, bravo quand même pour votre saison. Alors, si on se résume, dernier match de Tanaou Maga en France, il va rentrer en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est une belle année pour le rugby français. Le grand chelem de l'équipe de France, c'était sur France Télé cet hiver. La victoire en Coupe d'Europe de Toulouse. Il n'y a pas la petite cerise sur le gâteau avec Cardiff qui s'impose face à Toulon aujourd'hui. Mais comme le disait Philippe, ça restera l'année de renaissance du rugby toulonnais. Vous, Christophe Dominici, le toulonnais de naissance. Ouais, ça fait plaisir. Je suis déçu pour ces garçons. Puis la France doit être déçue parce qu'ils ont tellement donné aujourd'hui, que ce soit en demi-finale la semaine dernière. Voilà, c'est la loi du sport. Malheureusement, il ne faut qu'un gagnant.